Bonjour à tous et à tous. Merci Jean-Claude, Pascal et Gérard. Oui, c'est une aventure, qu'on a menée ensemble dans ces fonds baptismaux, hein, avec, je me souviens de cette rencontre dans le bureau à la faculté lorsqu'on a évoqué la mise en place de l'Institut qui avait pour quand même grande vocation de donner visibilité à Santé au travail qui, comme ça, immédiatement n'était pas perçu peut-être, en tout cas l'université et la faculté de santé, comme un domaine majeur, alors qu'il l'est, comme d'ailleurs la prévention et la santé publique. Vous savez que dans ce pays, nous sommes 13 ans, 13 ans en retard par rapport à tous ces objets. Alors, je serai très court pour dire que l'université est en soutien total à l'Institut Santé-Travail, que les connexions qui existent avec les agences sont évidemment primordiales, en particulier la connexion qu'on a avec l'ANSES et Gérard Lasparre depuis de nombreuses années. Et puis aussi l'immersion dans le handicap avec une chaire handicap qui aujourd'hui sera portée par la fondation UPEC, qui est une fondation qui s'est montée cette année sous l'impulsion de l'équipe et qui pourra porter cette chaire avec des actions qui évidemment seront sur le travail, bien entendu. Et ça, grâce aussi à l'impulsion de Gérard et toute l'équipe ici. Ensuite, quelques éléments supplémentaires, puisque, avec toute l'équipe de l'université, et la chance que l'on a, c'est d'être pluridisciplinaire, donc de croiser finalement l'ensemble des disciplines, ce qui introduit des sciences humaines et sociales, très, très important dans le domaine, mais également l'environnement, et ça, c'est ô combien important. Et vous l'aurez aujourd'hui d'ailleurs dans les différentes présentations qui sont faites. Mais on va vers aussi un institut Urban One Health qui sera porté avec l'ENVA, avec l'UPEC et aussi avec les agences et l'ENPC. Et donc ça, c'est un point très important parce que ça va réunir une santé globale avec des espèces de prévention à la fois dans le domaine d'ailleurs de l'humain, mais également d'exposition animale. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Merci à toute l'équipe, merci à la directrice également d'accueillir cet institut. Et puis je vous souhaite un bon séminaire et puis évidemment à l'année prochaine. Merci à vous.